On arrive enfin à l'hôtel. Comme des crasseux, souillés, nos joggings et nos chaussures trempés de boue, de terre, d'eau sale, nos corps imbibés par la transpiration dans lequel se sont baignés des moustiques. Ah, j'étais vraiment à bout. Et retrouver les petits pavés de la Marie Hôtel. Et je me suis jamais autant reposé, là j'étais content, la piscine, sieste et tout et tout. Dimitris et Charles qui sont partis à une fête de crasseux encore, j'étais en mode allez-y tout seul, laissez-moi tranquille. Et Laura et Wesley aussi sont restés avec moi, on s'est bien détendu, nous en tout cas ça s'est bien passé. Donc là tout le monde est crevé à part Charles et moi et on décide de passer à l'hôtel vite fait et de repartir directement faire du tubing. Le tubing, qu'est-ce que c'est? C'est le truc de beauf, comme Rue de l'App à Paris. En mode c'est la tournée des bars, genre chaque bar, il faut boire de l'alcool. Sauf que c'est, ça commence à 12h ou à 14h. Enfin, les gars, on vient de dormir dans la jungle, on vient de faire du kayak. Tu vas aller faire la fête à 14h alcoolisé avec un soleil de 37 degrés. Ce que vous allez voir, c'est que plus les bars vont avancer, parce qu'en fait on va descendre le Mekong. Le Mekong c'est un fleuve qui est ici à Vang Bien. Et plus on va descendre, plus on va aller dans d'autres bars. C'est une tournée des bars au fil du Mekong. Ouais, voilà, exactement. Bon, après avoir attendu une demi-heure notre bateau parce qu'il est en retard, on y va. Regarde, c'est tout en bas, là. Putain, je vais me casser la gueule, ici. Ouais, ouais. Ils oublient que j'ai des problèmes de jambes, là, dans cet endroit. Ça va, dit. Ouais. Pas stable du tout, hein. Oh, oh, putain de merde. Putain, c'est magnifique, ici, comme d'habitude, hein. Ouais, dans un animé. On arrive. C'est bon, on est arrivé au premier stop. J'ai hâte de boire. Hello. Can I order food in the room? One margarita pizza. Bien bu, on a rencontré des gens de haut et je suis bourré. Elle est belle la vie, hein. Voilà notre hôtel. On est arrivé. On va se préparer, on va se doucher pour ce soir. Ah, mais je thank you so much! J'ai trop faim! Oh my god! Trop bien! J'ai pleuré! Wesley, il se met. Bon, bah, c'était trop cool! On est enfin rentré à la maison, enfin à l'hôtel plutôt. On est vachement. Il y a toujours un problème avec Wesley, on veut toujours me saouler. Alors Laura, moi je suis un ami honnête. Du coup moi je dis à Laura, Laura on parle sur ta gueule à Paris. Donc du coup je lui dis ce qui se dit sur elle. Mais je dis pas qui, parce que ce sont aussi mes amis. Je vais pas niquer la parole de mon ami. Et elle madame, ah bah tu me dis rien. Donc toi en fait tu préfères que je sache tes trucs sur toi, que je te les dis pas. Juste sous prétexte que je ne dis pas le nom des amis qui ont dit. Ah parce que ça a de l'importance pour toi ça déjà. Ouais, maintenant tu m'as dit un truc, va jusqu'au bout des choses. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais. Mais je comprends! Mais grave, mais ça m'intéresse en fait de savoir ce que les gens. Ah, ouais, Wesley fait tout le temps des trucs comme ça. Bah, tu sais quoi? Moi, je vais pas parler parce que déjà, on m'a dit. C'est pas la personne qui me l'a dit, c'est on m'a dit déjà. Et on m'a dit, voilà. Mais je l'ai pas entendu qu'une fois.
Et c'était pas la même personne qu'on visait à chaque fois. On parlait de quoi déjà là? C'était dans sa problématique. Mais ouais, ça, t'as des couilles ou t'as pas des couilles? Mais j'ai pas de couilles! Crarer ton brosse électrique pour un chargeur? Parce que t'as des couilles et tout? Mais moi, tu peux pas me dire jusqu'au bout les trucs! Je ne travaille pas la confiance des gens, je peux pas rester. Non, mais on parlait de quoi là? Pourquoi? Pour la fin, c'est normal qu'elle te dise, dis-moi, c'est qui? Bah, bien sûr que c'est normal! Mais je lui dis une fois, deux fois, non, je dirais pas! Au bout de 100 fois, je vais me coucher, j'en ai rien à foutre, je te dirai pas! C'est comme ça et pas autrement, Laura! Je peux pas te trahir la confiance de mes amis comme ça facilement! C'est impossible! Bah, je sais, mais dans ce cas-là, tu parles pas. Je te retiens. Ok, donc, pour la 7e fois, puisqu'il enregistre, c'est génial, tu préfères que je ne te dise plus les choses. Bah, moi, je préfère que tu me dises les choses, mais jusqu'au bout. Dis pas, nanana. Là, c'est la 8e fois, du coup, tu préfères, en fait. Mais non, mais parce qu'en fait, moi, j'en ai ras le cul d'être le dindon de ma farce, tu vois. Donc, quand on me dit des trucs comme ça, je préfère qu'on aille jusqu'au bout, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est tout. C'est une question de principe. Genre, il a juste dit, moi, j'ai eu des échos en mode. T'es quelqu'un de très impulsif et tout. Tu vois, c'est comme ça, genre, tu vois. Est-ce que je suis une pookie même? Laura et Wesley se donnent un spectacle, ils commencent à s'embrouiller et tout. Et moi, je suis là, comme ça, en train de les écouter. Que du thé partout. Mais Wesley, faut pas te dévaloriser. Ça parle sur ma gueule, tu sais, me dis rien. Eh, mais chérie, alors que moi, chérie, attends, mais tu crois qu'on parle que sur toi? Mais toi, c'est rien. Mais on parle sur Dimitris, mais 10 fois pire. Tout ce que j'entends sur Dimitris, c'est pire que toi, tu vois. Joanne aussi, je suis en train de me dire sur lui, même les trucs sur moi, tu vois. Et même sur un tel, et même sur l'autre, et même sur l'autre. Et ça, c'est quoi? C'est une secte, bah voilà. Bah, mais c'est bien, ça veut dire au moins tu fais peur, tu t'es imposé dans le groupe en vrai. C'est ça en fait. Genre en mode, c'est comme ce que j'entends sur moi. Genre en mode, ouais, il casse les couilles, il est jamais content. Mais moi, je suis pas comme ça à parler sur les gens, donc c'est pour ça que quand j'entends ça, je comprends pas. Moi, perso, l'avis des autres, qu'on me dise que A ou B ont dit un tel sur moi, mais y'a, ce contenu. Continue ce réel, vas-y, parle de moi, j'adore ça. Bref, elle a voulu faire sa drama queen. Non, 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 mais... grand luxe, c'est de n'avoir rien à me reprocher dans ce monde de la confiance. C'est vraiment mon truc. Moi, j'ai des histoires avec personne, je parle sur personne. Bah, tu sais mieux, bah voilà, bah, j'aime pas qu'on vienne me dire, oh, moi, j'en ai des trucs, qu'est-ce que. Ah, mais c'est ça le monde de l'influence. Hein. Mais c'est ça le monde tout court. Oui, mais t'as. Je suis même pas influenceuse. Je dirais pas aller dans son lit d'hôpital. Je suis pas influenceuse. Dans son lit d'hôpital. Non mais sérieux, ça me dénerve. Sérieux. Bon bah voilà, on y va, on part de Amari Hotel, ça veut dire on part de Vienne, je sais plus comment c'est. Bon bref, là on part d'ici, voilà, tout simplement. T'as vu combien de bières Neuil depuis ce matin? Ah, je sais pas, j'ai pas compté, mais à peu près une caisse. Ouais, il a dit une caisse. On quitte Van Vieng pour aller à Vientiane. Et regardez comme on est trop beau. On a fait nos achats. Regarde mon chapeau. Franchement, moi perso, ce que j'ai kiffé, c'est l'hôtel. C'est trop bien. Genre la clim partout, une méga piscine, une méga vue. Bref, et là du coup, bah, on se tape 3 heures de car. Parce que ici, bah, c'est comme ça. Hein. C'est 3 heures minimum. On a vécu un vrai contraste. La jungle, on en a chié. Et en même temps, on a tellement chill ici. Franchement, le fait d'avoir vécu le pire dans la jungle. On s'est senti encore mieux dans notre hôtel. Ouais, ça fait qu'on a plus profité de l'hôtel, on a plus apprécié, vraiment. Comment c'était ce retour aux sources, ce retour à l'hôtel 5 étoiles? Oh mon dieu, j'avais envie de pleurer. À la minute où j'ai mis mon pied sur des pavés au lieu de la boue, j'avais envie de pleurer. C'était trop waouh. Si c'était à refaire, tu le ferais? Tu le referais? Moi dans un an. Laissez-moi une pause. Là dans 10 ans. Wow, moi dans 10 ans, pas avant, c'est mort. Moi je pourrais y retourner dans la jungle mais pas dormir. Dimitris depuis ce matin il fait que s'embrouiller avec sa meuf. Dommage. Bon Wesley, c'était quoi ton pire moment et ton meilleur moment? Bah on va commencer avec le pire hein. Forcément le pire honnêtement c'était la jungle quand fallait monter. Et qu'au bout d'une heure et demie on a dit il reste 10 minutes. Allez à d'autres s'il vous plaît, à d'autres. Mon meilleur moment. Attends je vais coucher. Mon meilleur moment. Franchement c'est con hein. Mais mon meilleur moment en fait c'est quand on était bah, tous les 5 du coup avec Léna au bord de la piscine et qu'il y a Laura qui est arrivée. Ouais. Pour moi j'ai l'impression qu'on renouvelait le truc en fait. Genre c'était en mode bah, ça a commencé ici une deuxième fois. En mode c'était deux saisons séparées pour moi tu vois. Léna j'ai l'impression que ça fait genre 5 ans elle est partie. Léna j'ai l'impression que ça fait genre 15 ans qu'on est là tu vois. Et toi? Moi le pire moment. Bah déjà quand je me suis cogné la tête dans le kayak, j'étais à bout. Là j'avais la tête qui marchait à moitié, j'ai perdu genre la moitié de mes neurones pendant genre un instant.
C'était horrible parce que j'avais vraiment mal, ça me lançait et en même temps avec Austin on devait avancer, le petit corps de lâche là. Et le meilleur moment, enfin les meilleurs moments, putain il y en a beaucoup. Je pense j'ai des meilleurs moments avec Léna, quand c'était quand forcément quand on était dans les 4000 îles, sur les pirogues et tout et tout. Et avec Laura aussi, j'ai grave des bons moments. En fait, ça m'a fait trop rire de l'avoir dans la jungle et tout et tout. C'était trop drôle. Et là aussi à la piscine, avant de bien. Quand on a chill et tout, on était posés, on commandait à gogo. On avait vraiment l'impression d'être des rois du pétrole, genre. C'était iconique. Moi, mon pire moment, je crois que vous le savez tous, hein, c'est la jungle, clairement, parce que pour moi, c'était... Bon, je suis contente de l'avoir fait, parce que comme ça, je pourrais dire, j'ai dormi dans la jungle. Mais vraiment, plus jamais. Et pour moi, le meilleur moment, bah, je suis un peu d'accord avec Wesley, c'est le moment où je suis arrivée, je vous ai tous vus, je vous ai tous retrouvés. Ouais, j'ai eu une montée de bonheur, genre c'était vraiment trop trop cool. C'est quoi si tu devais définir le concept des Turners, c'est quoi? C'est une bande de potes qui vont aller hors des sentiers battus pour se créer des souvenirs inoubliables, genre. Genre découvrir des nouveaux trucs ensemble, quoi. Pour moi, c'est quoi les Turners? C'est plein de potes qui vont ensemble dans un endroit qui est pas forcément là où ils seraient le plus à l'aise. Et qui essayent de se surpasser et de rigoler pour créer un contenu nouveau et enrichissant. Voilà. Mais c'est une vraie aventure humaine. Ouais. Au-delà du fait qu'on soit avec nos potes, qu'on se marre et tout, il y a vraiment une grosse pression derrière et on doit pousser nos limites à chaque fois. Et il n'y a que dans des endroits comme ça qu'on peut le faire. C'est toujours au moment où tu te surpasses. Ouais. Au moment où tu vis des galères et des trucs comme ça que là ça te marque vraiment. Mmh. Et là entre nous quand on va rentrer à Paris bah on sera plus les mêmes déjà nous-mêmes et entre nous on pourra en parler mais pendant des années et des années. Ouais, c'est une super expérience. Bah moi honnêtement je pensais pas faire tout ce que j'ai fait en fait. C'est cool mais même moi je suis pas genre de mec à faire du kayak. Ça va. Non mes proches ils savent très bien que je suis genre de mec, je fais trop chichi. Le kayak et tout, wow flemme. Ce qui m'a marqué le plus, bah c'est justement c'est le fait kayak. Que je fasse tellement de choses que je ne fais pas à Paris et que je ne pensais pas faire. Le kayak, c'est con, le tuk-tuk, ne pas mettre de casque sur des trucs, enfin, je sais pas, genre tout est différent en fait. Genre. Ça sent la fin et après des heures de route, on retrouve l'hôtel où on avait retrouvé Laura quelques jours auparavant. Waouh, on est arrivé dans notre dernier hôtel. Vous en pensez quoi? Il est magnifique, j'adore, il est en or genre. Donc là du coup je retrouve l'hôtel dans lequel j'étais arrivée au départ et franchement ça me fait trop plaisir parce que j'aime trop cet hôtel. Ok, voilà, c'est notre dernière nuit au Laos, demain on s'en va. Et pour cette dernière nuit on est dans un hôtel qui est trop beau, on est de retour à Vientiane. Comment on rentre? Mais comment ça que chacun sa merde. Il a dit comment on rentre. Au moment où l'avion il a péri, chacun sa merde. Chacun sa merde. C'est vraiment des salons. Il a dit comment on rentre. Tu veux t'aller tout ce que tu veux jusqu'à Bastille. Toi tu fais le pharaon là, avec le béton. Parce que c'est pas pharaon, c'est pas le roi. Et vous savez comment il dort, Joël? Comme ça. Ben, je fais attention à la place, même quand je dors. Wesh. Mais même dans le cadre, il dort comme ça. Mais imagine, t'as autant de grâce que moi quand même. Qu'il a quoi? Aïe! Non, mais t'imagines, tu m'aurais frappé sur mon. Imagine si tu m'avais frappé sur mon. C'est la clé, ta clé. Donc ce soir, c'est l'anniversaire de Noy. Donc on se prépare tous, on se fait beau. Et j'ai trop hâte d'y aller parce que bah ça va changer un peu de ce qu'on fait d'habitude. Mais non! L'anniversaire de Noy! Mais c'est trop mignon! Bon bah là du coup on s'est tous préparés et on s'est fait tout beau. Tout beau il a dit t'abuses. Toi tu t'es mis sur ton trempère. Bon bah tu vois il a dosé, ça fait une demi-heure il parle de sa tenue alors qu'il est éclataxe. Mais bon on fait tous semblant qu'il est bien habillé. C'est un Balenciaga. Quelle collection? Collection Laos. Comme bon, Laura est restée à l'hôtel parce qu'elle était fatiguée. Voilà, c'est ça. Pas du tout. Le gars, il est là dans le noir. Sur mon honneur, je vais lui mettre une tangente. On va découvrir, genre, une vraie population d'ici. Une fête locale, genre. Les Turners. Oh putain, je suis hyper gênée. Bonjour.
Wig. Noy, tu dis qu'elle est intéressée par lui. Il y a toutes les dames qui se sont levées et qui sont allées danser. Du coup, bah moi j'ai fait un petit effort et puis je suis allée danser avec elles. Et en fait, c'est hyper bizarre parce qu'elles dansent pas comme nous, comme ça, non. Elles dansent comme ça, avec les mains, comme ça. Et elles font ça pendant toute la danse et elles marchent super lentement. Là, franchement, j'étais trop content d'avoir dansé avec eux. En plus, ils font que des covers, genre c'est grave la culture de faire des karaokés sur des chansons connues. Et j'ai trop aimé. Et les gens, ils sont trop touchants, ils se donnent tout sur la piste. J'ai trop aimé. Bah, c'était Kiki, c'était très mignon, les gens étaient très gentils, donc bonne soirée, très bonne soirée. Dimitris, depuis le début, il a son enceinte. Oui, le monsieur a ramené son enceinte, mais qui a pensé à ramener son enceinte ici à part lui? Partage. Et là, le seul moment où Wesley dit bah vas-y, je me connecte au Bluetooth de la voiture, parce que pour une fois qu'on avait une voiture avec connectique Bluetooth pour mettre de la musique, Dimitris il dit stop. Et en fait, là, je pense que là, je vais commencer un peu à m'énerver. Non, mais toi, évite de mettre ta musique, je sais pas quoi. Alors là, je lui dis pardon. Non, mais c'est une blague, j'espère, là. Donc, j'ai écouté de la musique horrible. Même toi, tu dis que t'as écouté de la musique horrible. Je voulais te faire plaisir en dans ton Travis Scott, ton rap US, ton rap FR. Et en plus, tu oses élever la voix sur moi gratuitement comme ça devant tout le monde en m'humiliant. Mais t'es sérieux ou quoi, frère? Mais t'es malade. Mais c'est toi, t'es malade, frère. Tu crois que t'es tout le monde? J'ai pas envie d'écouter ta musique. Mais frère, on a dormi avec ta musique dans la chambre, tu veux quoi? Ferme ta gueule, ah ouais, sérieux ou quoi? Sérieux, ouais. Non mais il est sérieux ou quoi lui? Moi j'en pouvais plus de la musique, vraiment j'en pouvais plus. Et Wesley commence à mettre du son. Je me dis... Tu veux ma musique? Il me dit fermer ma gueule. Mais frère, on a eu de la musique toute la soirée, j'en peux plus de la musique là. Frère. Et alors tu peux pas respecter deux minutes, frère? Donc ça, c'est moi, on arrive à la part. Tu les autres par contre? Ouais, j'ai fait quoi? Ah, parce que toi tu respectes les autres. Ah, comment il me vénère celui-là, Eh, Wesley et Dimitris, c'est une histoire d'amour. Hein. Ah, mais parce qu'en fait, lui, il pense que à sa gueule, et après, il dit que les autres pensent qu'à leur gueule. Ok, c'est comme si tout le monde a froid, et là, toi, t'ouvres la fenêtre. Pour penser qu'à ta gueule, c'est la même chose. Mais moi, j'ai pas envie d'écouter du son. Tu peux mettre tes écouteurs si t'as envie d'écouter du son. Mais j'avais mes écouteurs, frère, mais je les aurais mis depuis la nuit. Tu peux pas attendre 10 minutes d'arriver chez toi pour écouter ta musique. Il y a raison dans le sens où toi, t'as quand même mis la musique tout le temps, genre. Bah, moi, tu me dis de l'enlever, je l'enlève, frère. Merci. Non. Waouh, merci pour ton parti pour une seule fois dans la vie. Merci. Tu veux pas mettre de la musique, mais nous, faut qu'on ferme nos gueules, c'est ça? Mais quand on arrive dans 10 minutes, tu pourras mettre tes écouteurs. Arrête de casser les couilles. Wesh, en quoi tu comprends pas ça là? Je veux pas que je mette de musique, je mets pas de musique, mais en tous les cas, toi tu m'as bien pris la tête dans la jungle. J'ai dormi avec ta musique dans la jungle. Quand on veut filmer, tu mets ta musique, nous on ferme tous notre bouche, ok? Tu mets ta musique à toi et t'es en train de nous dire à chaque fois, ben, fallait prendre ton enceinte, hein, ah bon? Vas-y, lâche une larme. Lâche une larme? Pour toi? Putain, ça vaut de l'or, frère. Mais frère, à chaque endroit où t'emmènes, t'es jamais content, t'es toujours en train de te plaindre. T'es pire que moi, on a trouvé pire que moi. Frère, t'es irrespectueux. C'est pas grave, chacun a son point de vue. De toute façon, dans une histoire, il y a toujours deux sons de cloche. Voilà, c'est comme ça. Merci Laura. Vous avez raison tous les deux. Il y en a un qui en a marre parce qu'il a la tête comme ça, il y en a un qui veut écouter de la musique. Et mais ben, en c'est fait, comme c'est ça. Pas genre juste me dire gentiment, ouais ça franchement c'était horrible cette soirée, la musique et tout. Je m'embrouille avec personne, sauf avec toi, tu crois que mais c'est parce que moi j'ouvre ma gueule devant toi, j'ai pas peur mais de tu toi. Mais tu crois que toi qui ouvres ta gueule devant moi, tu crois qu'il y a que toi qui ouvres ta gueule devant moi, frère? Mais qui y'a qui ouvre ta gueule devant toi? Bah tout le monde. On est alors frapper, hein. La vie de ma mère parfois ça te ferait du bien une petite balle. Mais viens frapper. Non, les gars, les gars, vous avez toi, faut me sonner un peu. Bah tu sais quoi, viens descendre, viens tu me tapes. Non, 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 non
Je vais pas te frapper. Se plaindre, j'ai mal à la jambe, j'ai mal ici. Arrête, à chaque fois que je m'envoie avec toi, ça pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Mais je le fais pas parce que j'ai envie que ça se passe bien. Juste là, frère, tu fais chier, frère. C'est bon, les gars. On a passé une soirée un peu mouvementée. Les gars, ça nous est tous monté à la tête. On se calme. Vous avez tout mélangé, vous avez bu. N'importe quoi, frère. Je pensais pas qu'il allait genre. M'embrouiller comme ça aussi gratuitement et non, Cet embrouille là il avait t'avais grave raison large non mais le mec il est en train de se plaindre alors qu'on l'a invité dans une famille, c'est respectueux et c'est juste ça. Je sais que t'as pris sur toi pendant toute la soirée, j'ai vu jusqu'à la fin. Au bout de 10 minutes il se plaignait. Il crache pas, laisse. Mais je crache pas, je parle à Johan. Je parle à mon meilleur ami. Comment je parle de toi là? Mais tu veux pas en hiver avec moi? Rentre. Viens, on rentre, pourquoi t'es là assis à parler de moi? On s'en bat les couilles, viens, on rentre et on s'en fout. Mais viens, on rentre, mais on est où là? La vie de ma mère. Mais t'es sérieux ou quoi, Dimitris? Mais j'ai fait quoi là? J'ai fait quoi? Viens, on y va, on rentre. Mais attends, mais frère, je me suis assis là parce que là, tu vois, là, je suis bourré, je me sens pas bien. Je passe par là, je t'entends dire mon nom, frère. Mais encore heureux, on va s'embrouiller, c'est normal. Viens, on filme pas. Je vais parler avec Wesley. Wesley craque et au final on finit par se faire un câlin parce qu'au fond on s'aime bien et on s'est expliqué et puis voilà, c'est la 153e embrouille avec lui, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres et puis voilà. Et sur les Turner, c'est pas un peu ça, les petites embrouilles entre potes et tout? C'est ça, comme c'est ça dans la vraie vie, c'est ça nos histoires de... En fait là on est dans un contexte où on est en dehors de chez nous, on est dans un voyage, forcément il y a des points de vue qui vont pas ensemble et en plus on cohabite ensemble pendant... On supporte les humeurs, les tensions, les douleurs. Ça fait 12 jours qu'ils sont ensemble ici dans un pays étranger. Donc en plus de ça, la pression plus la fatigue du voyage et parce qu'on en a chié quand même ces 12 derniers jours, je pense que ça fait qu'au bout d'un moment forcément ça devait éclater, alors que je sais très bien que Wesley il adore Dimitris et Dimitris adore Wesley. Chacun a ses faiblesses, chacun a du travail à faire sur soi-même, même moi, même Laura, même Lena, même tout le monde en fait. Waouh! Dernier réveil au Laos. Ça fait exactement 12 jours qu'on est là. Et 12 jours, c'est rien dans une vie à Paris. Mais 12 jours dans des aventures comme ça, à l'autre bout du monde. Enfin, c'est genre au moment où j'ouvrais les yeux dans ce magnifique hôtel que je réalise que c'est ouf tout ce qui vient de se passer. Et Charles vient nous chercher et nous dit vous avez vu pas mal de facettes du Laos, le côté aventure, le côté super fun avec la fête. Et si, et ça, et il nous dit mais il y a quelque chose qu'on n'a pas montré. C'est beaucoup amusé et tout, mais c'était important pour nous de vous montrer la face un peu plus réelle du Laos et pauvre, parce que c'est ça aussi la vraie vie du Laos. Et donc, nous aussi on avait envie de s'intéresser à ça et de rencontrer des gens et on avait plein de questions à leur poser. Voilà, donc la dame du coup elle gagne à peu près 200$ par mois. Voilà, donc c'est à peu près 500€ parce que la vie ici au Laos elle est moins chère. Même 350€. Ouais, voilà, même 350€ en gros pour élever 3 enfants. Et voilà, on est venu dans un village comme ça, n'est pas très loin de la capitale Vientiane, dans la préfecture de Vientiane. Je voulais vous montrer comme ça une famille, voilà, comme paysan, très pauvre. C'est ça, ouais. À 20 mètres d'écart, on se rend compte, vraiment 20 mètres pour le coup. Mmh. On voit la différence, on voit le contraste. On voit une super grande maison et là, on voit une maison faite de tôle. Ouais. C'est vrai que, ouais. Ils sont quatre à vivre dedans. D'accord, ok. Ça va, Voilà, entrez, Sabadi. Ouais. Hop. Je veux savoir, ça fait combien de temps qu'ils vivent ici? D'accord, quoi, ma unité, Ma unité,
7 ans déjà. 7 ans? Oui. C'est quoi ses horaires de travail? Il n'y a pas d'heure. Ok, donc dès qu'il se réveille le matin jusqu'au coucher du soleil, voire un peu plus des fois. En gros, ils ont 2 jours de repos par mois seulement. Moi, je voulais savoir du coup qu'est-ce qu'ils ont envie de faire plus tard, les enfants, genre c'est quoi leur... Je suis contente parce que j'ai pu poser des questions, m'intéresser un peu à eux, et à ce moment-là, ça m'a... Et là, moi, en fait, c'est un truc qui me choque, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de carte d'identité, pas de sécurité sociale, et du coup, en fait, ils peuvent pas quitter le pays. On se rend pas compte, en fait, mais il y a des familles qui ont pas la même chance que nous. En fait, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'en fait, elle avait ses 2 enfants qui étaient des jumeaux, qui étaient... pas plus grand que nous en fait, qui avait presque le même âge que nous, et en fait moi je suis quelqu'un qui est hyper ambitieux, j'ai plein de projets, j'ai envie de faire plein de choses dans la vie, et en fait je me plains beaucoup parce que je suis trop excité, j'ai envie de tout faire et tout, et je me dis il faut qu'on prenne plus le temps d'être reconnaissant de ce qu'on a. Wow. Ouais, tu la remercies de notre part de nous avoir accueillis, elle et sa famille, et d'avoir répondu à nos questions, d'avoir pris du temps pour nous aussi, et c'était un plaisir de pouvoir les rencontrer. Ouais. Donc on se rend compte que c'est la fin, on rentre à l'hôtel, on prépare nos valises et on doit déjà y aller. C'est la fin des Turner. Ça va me faire plein de beaux souvenirs et vraiment trop content. Je l'ai dit 150 000 fois mais je suis vraiment trop content et voilà. Franchement, moi je suis vraiment contente de cette aventure. C'est un de mes plus beaux voyages et même si c'était difficile, c'était hyper enrichissant et j'étais avec des personnes que j'aimais énormément et ça m'a fait super plaisir de passer des moments aussi forts avec des personnes que j'adore et que j'ai pu découvrir encore plus, et au-delà du fait que j'étais avec mes amis etc, c'était un voyage vraiment enrichissant et qui m'a fait beaucoup réfléchir en fait sur moi-même. Il y avait vraiment cette notion d'introspection, notamment quand on est dans la jungle par exemple et qu'on se rend compte que bah il faut qu'on se retrouve face à nous-mêmes et il faut qu'on surpasse nos propres limites. Vraiment, ça nous fait réfléchir sur nous et je pense que je ressors grandi de ce voyage et je suis beaucoup plus calme et beaucoup plus apaisée, bizarrement. Je garde que les bons souvenirs parce que les mauvais souvenirs, qui veut ici, c'est soit démodé, soit 2015. J'ai adoré cette expérience, j'ai adoré Macadoche, j'ai adoré m'embrouiller avec toi. J'ai adoré Laura, genre tu fais trop la star, mais je t'aime trop pour ça. Lena, girl boss, vraiment t'es hyper droite, hyper mystérieuse. Je vais encore apprendre à te connaître, grâce au Turner d'ailleurs. Charles, vraiment, waouh, c'est une pépite, genre vraiment un rayon de soleil. Il est toujours là pour nous faire sourire, pour nous mettre bien à l'aise. Noy, merci pour tout ce que t'as fait pour nous. On n'a pas attendu 5 heures une pirogue ou autre, parce que c'est notre fixeur là-bas. Et bah, le meilleur pour la fin, merci Johan. Genre vraiment, je suis tellement heureux de vivre des aventures comme ça avec toi. Genre, waouh, genre non mais c'est un truc de ouf, Johan, c'est comme mon frère. Enfin, genre c'est mon frère, ça fait vraiment chaud au cœur, j'ai envie de pleurer parce que, genre c'est trop bizarre. Enfin. Voilà, en tous les cas, je suis hyper content d'avoir fait ça avec Johan, en tous les cas, plus avec Johan que quelques autres, désolé. Mais mais voilà. Parce que là, je suis la foule. Donc voilà, excusez-moi, mais genre, je suis hyper content, vraiment. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère qu'on ira loin, j'espère qu'il y aura une prochaine saison. Quand bien même le projet, je sais pas, ça va être quoi les retombées, quels seront vos retours, ça m'a tenu à cœur de le faire, en fait, parce que j'avais vraiment envie. J'avais vraiment envie de proposer quelque chose de nouveau, j'avais vraiment envie de me surpasser et de vivre une aventure extraordinaire et de tout vous partager parce que vous faites partie de mon quotidien. Et du coup, voilà, je suis trop content de l'avoir fait. Et puis voilà quoi. C'était iconique. Mais moi, tu sais que je suis vraiment choqué parce que je pensais pas qu'on allait réellement faire... Enfin, je pensais pas que ça allait aboutir. En fait, le truc qui est ouf, c'est que, dis-toi, en janvier, je me suis lancé le défi, j'ai dit, on refait les Turner et on fait un truc ouf. On part ailleurs dans le monde, on propose un truc nouveau et on l'a fait. Parce qu'en plus là, les gens, eux, ils savent pas qu'au tout début, enfin genre, il y en a pas qui savent pas en fait que les Turner, ça s'est fait genre en 2 semaines. On savait même pas où on partait. On savait même pas comment partir, on savait même pas avec qui partir.
le budget n'était toujours pas là. Oui. C'est vrai, parce que ça, c'est important. Et finalement, bah, on a grave d'être ça. Pour et en deux semaines, on a créé un des voyages les plus mémorables de nos vies. Parce que c'est parti de quelque chose de spontané et authentique. Et ça fait que ça a fait la force de ce voyage et j'ai trop kiffé. Genre par rapport à toi, moi, je suis trop content parce qu'à Paris, on a une vie différente. On est ensemble tous les jours. Mais ici, on a pu genre se découvrir différemment. Et je suis trop content parce que je crois que c'était le moment de la jungle où j'ai vu que clairement, tu es capable de prendre sur toi, repousser tes limites et que... Et aussi, tu t'intéresses grave au monde et tout, et j'étais trop content pour toi de t'emmener dans ce... Parce que moi, je voyage beaucoup. Moi, je voyage jamais. Et toi, c'était ta première fois en Asie, c'est pour ça que je suis trop content de t'avoir embarqué ici avec moi dans les Turner. Ce voyage-là, il m'a confirmé que c'était pas le dernier genre. Dans ma tête, j'ai clairement envie de parcourir le monde, je veux tout faire. Attends, ça veut dire ce que tu dis, c'est qu'il y aura une autre saison peut-être. Madame. Et je me demande qui aurait envie de nous rejoindre, mais j'ai trop envie de repartir. Moi j'ai des petites idées. On espère en tout cas qu'on vous a fait kiffer. On va parcourir le monde. L'avion. Oui. Bon allez madame. Salut.